Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolis débardeurs au crochet. C'est le premier modèle que j'avais déjà fait. On va faire celui-là ensemble. Là, je suis partie sur la base d'un t-shirt taille 2 ans. Donc, si vous avez l'enfant sous la main ou un t-shirt de l'âge désiré, vous pouvez très bien, car je vous explique dans la vidéo, adapter pour faire plus grand ou plus petit, ça n'y a aucun souci. D'ailleurs, dans la vidéo, je vais vous donner les mesures en centimètres. Comme ça, si vous désirez faire taille 2 ans, je vous donne les centimètres à faire en maille chaînette, par exemple, à faire les centimètres à faire en rang. Comme ça, vous pouvez, vous, sans avoir le t-shirt sous la main, le réaliser pour l'âge de 2 ans ou pour plus. Il n'est pas du tout compliqué à faire. On va commencer d'abord par la partie ici du bas. Pardon. La partie élastique, donc on va travailler en rond. Ensuite, on va simplement faire ce motif-là. Très, 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 très facile. Vraiment rien de compliqué. C'est un rond qu'on va répéter en permanence sur un certain nombre de centimètres. Dès qu'on aura fini, on va travailler sur le dos. Quand on aura terminé le dos, on va revenir ici à l'avant pour faire l'ouverture du col. Donc moi ici, comme je vous ai dit, c'est pour l'âge de 2 ans. J'ai besoin exactement. Alors ça, j'ai pris au magasin Laine du Monde. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Parce qu'ils ont vraiment, c'est un site, il y a vraiment énormément il y a beaucoup, beaucoup de choix à des prix vraiment très, très, très abordables. Donc c'est pour ça que je vais vous mettre le lien. J'ai pris du Colora Baby. J'ai eu besoin donc pour celui-là, une pelote et demie. Ça, c'est ce qui me reste de la deuxième pelote. Pour celui-là, j'ai pris également du Colora Baby, j'ai également eu besoin, puis c'est la même taille, une pelote et demie. Ça, c'est ce qui me reste de la pelote. Je mettrai le lien direct du site Laine du Monde. Jetez un coup d'œil, ça ne coûte rien. Ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que la main gauche, lien direct pour Facebook, Instagram, tous les liens, y compris pour le site, qui peuvent vous être utiles, se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors cette vidéo fait partie des vidéos solidaires. Ça veut dire qu'on va vous demander, on va faire appel à votre générosité, à votre grand cœur, pour venir en aide à l'association Voisins et Ensemble. Comme vous avez pu le voir ces derniers temps, les associations ont vraiment besoin de nous. Quel que soit le petit geste qu'on puisse faire, ça les soulage, ça leur apporte toujours quelque chose. Donc cette semaine, il y a moi qui vais sortir qui sort cette vidéo-là pour vous montrer comment réaliser et leur envoyer pour l'âge de 2 ans, ou 3 ou 4 en fonction de le t-shirt que vous avez sous la main. Ils ont vraiment besoin, toute l'année ils ont besoin, ça c'est assez logique malheureusement, mais ils ont besoin d'affaires, de produits d'hygiène de 0 à 3 ans. Alors, si vous avez des habits chez vous de 0 à 3 ans, que vous n'utilisez plus et que vous trouvez tout à fait acceptable qu'un autre enfant les porte, donc vous les aurez acceptés pour vous, ben, ce serait super. Moi, j'ai commencé aussi un petit peu à chercher autour de moi des gens qui ont des enfants de 0 à 3 ans, s'ils ont des habits qu'ils ne mettent plus. Donc un petit carton avec quelques habits, débardeurs ou pas débardeurs, quelques produits d'hygiène, et ça peut que les aider à pouvoir s'occuper justement des plus défavorisés. Et quelque part, penser à eux, c'est un petit peu penser à nous, parce qu'aujourd'hui on est là, mais demain on ne sait pas où on sera, puis on sera certainement bien content de trouver quelqu'un qui nous tende la main. Alors, dans la description de ma vidéo, je vais vous mettre le lien direct pour la chaîne Mamie Crochet. Mamie Crochet a eu l'initiative de ce projet, va également sortir ou a déjà sorti une vidéo. Je ne peux pas vous dire exactement quand sortira la mienne. Je vais également vous mettre le lien de la chaîne Laine du Monde, donc là où j'ai également acheté la marchandise. Également, donc le lien de la chaîne Laine du Monde, qui cette chaîne également va sortir une vidéo solidaire. Que ce soit de ma chaîne, de Mamie Crochet, de Laine Solidaire, quel que soit le tuto qui vous plaît, n'hésitez pas, c'est pas énorme.
Financièrement, c'est pas énorme. Ça m'a fait une pelote et demie pour une taille 2 ans. Donc, si ça peut servir, être utile à quelqu'un, et puis surtout que de montrer qu'on les soutient et qu'on fait ce qu'on peut. Alors, d'avance, je vous remercie tous et toutes de votre participation et de votre bon cœur. Je mettrai également dans la description de la vidéo, ou même je ferai une capture d'écran pour la prochaine prise, l'adresse où vous pouvez envoyer donc vos réalisations ou vos petits cadeaux. Je vous mettrai l'adresse directement, comme ça il n'y aura aucun souci. Il y a également Mondial Relais. Tout sera dans la description de ma vidéo, comme ça pas de raison de ne pas y participer. Alors ici, pour vous faciliter la vie, j'ai donc un t-shirt manche longue pour taille de 2 ans. Je vais vous dire au fur et à mesure le nombre de mailles chaînettes que j'ai pu faire moi, mais comme vous savez très bien, on ne crochète pas de la même façon, pas la même tension du fil. Donc si vous faites le même nombre de mailles chaînettes que moi, en fonction de votre façon de crocheter, on n'aura pas forcément les mêmes mesures. C'est pour ça que je vais tout vous donner en mesure. Vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond à la mesure que je vais vous donner pour une taille 2 ans. Ensuite, je vais vous donner, comme j'ai fait ici, donc j'ai fait. On va travailler sur un certain nombre de rangs. Je vous dirai le nombre de rangs que j'ai fait, mais surtout, je vais vous dire le nombre de centimètres que j'ai fait. Donc, comme ça, vous faites au nombre de centimètres, pas un nombre de rangs que moi j'ai fait. Et à chaque fois, je donnerai tout en mesure, comme ça, vous pouvez vraiment vous faire exactement donc taille 2 ans sans aucun souci, sans que ce soit trop large, trop serré ou autre. Simplement, je vous donnerai toutes les mesures en centimètres pour que vous puissiez adapter. Ici, par exemple, celui-là, je suis partie sur une base de 110 mailles chaînettes. Donc là, vous savez le nombre de mailles chaînettes. Je vais aussi vous dire combien de rangs j'ai fait au point élastique. Normalement, j'ai fait 1, 2, 3. Je crois que j'en ai fait 1, 2. J'en ai fait 3, mais je vais vous le donner en centimètres. Je ne vais pas vous le donner en maille, pardon. Alors donc, par exemple, ici, j'ai 29,5. La partie du bas, juste la partie du point élastique, je l'ai fait sur 2,5 cm à peu près. La hauteur, en partant donc ici du point élastique, jusque-là, j'ai fait 14 cm. J'ai fait que me baser sur le petit modèle que j'ai ici exprès, comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous. Si vous voulez faire plus grand, ben, si vous prenez un habit de la taille de l'âge désiré, vous faites exactement la même chose. Vous mesurez ici le nombre de centimètres, donc 27, ben 27 fois 2, puisqu'on va devoir faire le tour, comme ceci. Et vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui fait donc la mesure que vous avez trouvée. Enfin, que vous avez trouvé si vous avez un autre modèle que celui-là. Et là, comme je viens de vous le montrer, par exemple ici, je vous ai dit que j'avais 27 fois 2, puisqu'on va faire tout le tour. Et là, le résultat final, c'est un point qui s'est élargi quand même un petit peu pas mal. Au total, j'ai 3 cm de plus que ce que j'ai mesuré. Comme ça, l'enfant sera vraiment à l'aise. Donc ici, la partie du bas, elle reste bien à 27. Là, on voit bien, ça c'est la partie élastique. Et cette partie-là va un petit peu déborder, on est à 30. Voilà, j'espère avoir réussi à vous faire comprendre comment prendre les mesures. Donc, pour ceux qui désirent faire taille 2 ans, mais qui n'ont pas d'habit sous la main, ni d'enfant sous la main, alors vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui fait, donc ici j'ai compté 27 fois 2, 50, qui fait 54 cm. Donc, vous ne comptez pas le nombre, il n'y a pas besoin de compter le nombre de mailles. Enfin, il faudrait juste que les mailles, à la fin, soient divisibles par 2. Parce qu'après, on va faire ici la division de l'arrière et de l'avant. Donc, il faudrait juste qu'on puisse diviser le nombre que vous avez trouvé. Moi, il m'a fallu 110 mailles chaînettes pour faire 54 cm. Donc là, vous allez faire 54 cm. Quel que soit le nombre de mailles que ça vous donne, parce que vous n'avez peut-être pas utilisé le même fil avec le même crochet que moi. Donc, faites simplement une maille chaînette qui fasse à la base 54 cm et qu'on puisse diviser par 2. Alors, on va commencer déjà par le nœud de base. On positionne son fil dans ce sens-là, fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher.
Donc ici, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui soit divisible par 2 et qui fasse 54 cm. Peut-être que vous aurez plus de mailles que moi, peut-être moins, je ne sais pas du tout. Alors, quel que soit le nombre de mailles chaînettes que vous avez fait, il faut simplement prendre le mètre et mesurer que vous avez bien 54 donc centimètres. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 110 mailles chaînettes. Là, on va mettre nos mailles chaînettes à l'endroit vers nous, parce qu'on va fermer avec une maille coulée. Donc, on va entrer ici dans notre première maille, fermer avec une maille coulée. Pour le premier tour, on va faire une, deux, trois qui font la première bride, un jeté. On va dans la maille suivante, on coince notre fil, on va faire une bride. Pour tout ce premier tour, on va simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons. Donc moi, à la fin, je vais les compter parce que je dois avoir 110 brides puisque j'ai commencé avec 110 mailles chaînettes. Donc simplement une bride dans chaque maille chaînette que vous avez. Alors, je vous laisse terminer tout votre premier rang de cette façon-là. On se retrouve après. Alors ici, avant de fermer, vérifiez bien que vous avez le même nombre de brides que de mailles chaînettes. J'ai vérifié et j'ai bien les 110. Je vérifie toujours au fur et à mesure. Maintenant, on va terminer ce tour. On va mettre donc nos brides bien à l'endroit. Et on va entrer ici dans la troisième maille de la première bride. Là, on va faire le point élastique. On va faire une, deux, trois qui font une bride, un jeté. On va travailler en bride en relief par l'avant. La prochaine en relief par l'arrière. Suivante en relief par l'avant. Suivante en relief par l'arrière. En relief par l'avant, en relief par l'arrière, donc vous allez tout simplement, pour ce tour, répéter une en relief par l'arrière et une en relief par l'avant. Et ça jusqu'à la fin de ce tour. Alors quand vous avez terminé votre tour, on va terminer ici. On a ici les trois maillons en l'air de départ. On rentre dans la troisième et on va fermer avec une maille coulée. Comme je vous ai dit, je vais vous parler en centimètres. Pas en nombre de tours. Je vais vous dire aussi également le nombre de tours, mais surtout en centimètres. Ici, pour le premier modèle, j'ai fait 1, 2, 3, 4. 4 rangs exactement de la même façon. Là, c'est ce que j'ai fait, exactement la même chose. Alors, si vous voulez faire le même nombre de rangs, vous faites ce procédé-là sur environ 2,5 cm, voire 3 cm. Comme ça, vous pouvez adapter en fonction de la laine que vous avez. Pour tous les prochains tours, quels qu'ils soient, on va démarrer dans tous les cas de la même façon avec une,
2, 3. Là, on va travailler les brides comme elles se présentent. On a une bride en relief par l'avant, on va la travailler en relief par l'avant. Ici, on a une bride en relief par l'arrière, on va la travailler en relief par l'arrière. Donc là, il n'y a pas de quoi se tromper puisqu'on va simplement les travailler comme elles se présentent. Alors, quel que soit le nombre de rangs que vous avez décidé de faire, vous allez faire ce procédé-là sur 2,5 cm, voire 3, comme je vous ai montré. Alors là, je vous remontre à nouveau comment terminer et comment reprendre, puisque je vais attaquer mon dernier tour. On va entrer dans la troisième maille de la première bride et fermer avec une maille coulée. On va recommencer 1, 2, 3. De nouveau, on va les travailler comme elles se présentent. Celles qui sont en relief par l'avant, on les travaille en relief par l'avant. Celles qui sont en relief par l'arrière, on les travaille en relief par l'arrière. Donc je vous laisse terminer votre tour de la même façon, en faire autant que vous désirez. On se retrouve après pour le point qui est vraiment d'une simplicité vraiment extraordinaire. J'ai vraiment fait en sorte de vous trouver quelque chose qui soit très simple, réalisé, facile, qu'on puisse adapter. Donc là, vous allez terminer cette partie-là, nombre de tours que vous désirez. Après, on n'a plus qu'à attaquer cette partie-là. Je vais vous montrer une ou deux fois comment faire le point. Et ensuite, je vous laisserai faire et je vous dirai sur combien de centimètres si vous faites sur la même taille que moi. Alors quand vous avez fait le même procédé, le nombre de tours que vous désirez, donc sur 3 cm, peut-être que vous avez plus de tours que moi ou peut-être moins en fonction de la laine que vous utilisez. Maintenant on va faire 1, 2, un jeté. On a ici la bride en relief par l'avant, on va ici au haut de la bride, donc on va ici bien, on attrape notre maille, et là on va faire une, et une deuxième bride. Un jeté. On passe la prochaine bride, on va dans la suivante. Donc on passe une, on va dans la deux. Et on refait une, deux. On passe une, on va dans la deux. On passe une, on va dans la deux. On passe une, on va dans la deux. Donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors quand vous avez fait le même procédé ici, je n'ai pas encore terminé jusqu'à la fin. Ici donc je vais passer une, aller dans la deux et je vais faire mes deux brides. Tous les tours vont se terminer de la même façon. On a ici, on avait fait les deux mailles en l'air de départ. Je rentre dans l'espace des deux mailles en l'air, je ferme avec une maille coulée. Et tous les tours vont démarrer de la même façon. Les deux mailles en l'air, un jeté. On a ici les deux brides. Dans l'espace au centre, on va faire deux brides. Directement dans l'espace des deux brides, on fait deux brides. Directement dans l'espace des deux brides,
Comme vous voyez, il n'est vraiment pas compliqué. Je vais vous laisser terminer ce tour. Vous montrer à nouveau une dernière fois comment terminer, comment reprendre. Parce que le tour qu'on vient de faire ici, c'est celui qu'on va répéter le nombre de fois que l'on désire. Ici, sur le premier, donc je me suis toujours basée par rapport au t-shirt. J'ai fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 tours de cette façon-là. Mais comme je vous ai dit, c'est plus simple pour que vous puissiez faire la même chose. Je l'ai fait sur le même procédé sur 14 cm. Donc ce procédé-là, vous allez le faire sur 14 cm. Donc ici, comme je vous ai dit, je vais vous montrer une toute dernière fois, parce qu'on va faire que répéter ce tour-ci. Pour terminer le tour, vous entrez ici dans l'espace. On a ici les deux mailles en l'air, dans l'espace, et vous terminez avec une maille coulée. Pour démarrer chaque nouveau tour, on va faire les deux mailles en l'air. Et dans l'espace des deux brides, on va simplement refaire deux brides. Dans l'espace des deux brides, on fait deux brides. Donc ce procédé-là, vous allez faire le nombre de tours que vous désirez. Là, je vais montrer sur 14 cm si vous n'avez pas de la personne sous la main ou un habit. Je me suis basée en permanence en prenant les mesures. Donc ici, sur ce t-shirt adapté à un enfant de 2 ans, j'ai mesuré donc en partant ici du bas jusque sous les bras et j'ai trouvé 14 cm. Donc vous allez faire ce même procédé-ci jusqu'à avoir 14 cm. Alors après avoir fait le même procédé sur 14 cm, si vous faites par rapport à la base que je vous donne, ou plus si vous avez un t-shirt plus grand, on va séparer l'avant, le dos de l'avant. Pour ça, je vais bien positionner mon travail de cette façon-là. Ici, je vais compter. Donc on a ici un V, un deuxième. Je me positionne ici. Et je vais compter pareil de l'autre côté. 1, 2. Je me positionne là. Donc ici au centre, on a 4. J'appelle ça des V, ça va être plus simple. On a 1, 2, 3, 4. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va laisser 2 ici de ce côté. On va compter 1, 2, 3 après le quatrième. Cela, ce qu'on vient ici de mettre ici au centre, c'est ce qu'on ne va plus travailler. Là, c'est tout. Donc maintenant, on va commencer ici par le dos. Par le dos, on va avancer en maille coulée. Jusqu'à ce qu'on arrive ici dans ce groupe. Alors maintenant, on va travailler. On va faire le même procédé qu'on a fait jusqu'à présent, sauf qu'on ne va plus travailler ces 4-ci et les 4 de l'autre côté. Donc là, on va faire les deux mailles en l'air comme on l'a fait jusqu'à présent et dans l'espace qui sépare les deux brides, on va faire deux brides. Espace suivant, les deux brides. Donc ça, vous allez le répéter jusqu'au dernier groupe, ici, avant notre repère.
Donc ici, dès que vous avez répété jusqu'à notre dernier V, j'ai ici notre repère où j'ai les quatre au centre qu'on ne va pas travailler. À partir de maintenant, ici sur le dos, on va tourner notre travail. On va faire les deux mailles en l'air comme d'habitude. Et puis là, on va travailler donc comme d'habitude, les deux brides dans chaque espace, tout simplement. Donc ça, vous allez le répéter jusqu'à la fin de ce tour. Là. Les quatre ici, on ne va pas les travailler non plus. Ici, dès que vous avez terminé les deux brides dans le groupe, vous tournez deux mailles en l'air et vous reprenez. Ça, vous allez le répéter sur... Comme je vous ai dit, je vais vous dire le nombre de rangs que j'ai fait, mais je vais surtout vous parler en centimètres. Comme ça, vous pouvez faire la même chose. Donc là, ce que je viens de vous montrer, vous allez le répéter sur... Donc là, en ayant toujours pris sur le t-shirt que j'ai en fond, sur 13 voire 14 cm. Là, je vois que c'est 13, mais comme ça, ça tire un petit peu. Donc sur 13 ou 14 cm, on va et vient pour le dos. Simplement répéter ce même procédé. En tour, au total, j'ai fait... On va et vient, au total, j'en ai fait 16 pour avoir mes 14 cm. Donc, quel que soit le matériel que vous ayez pris ou la laine, l'aiguille de crochet, à partir de maintenant ici, que pour le dos, vous allez faire la même chose sur 14 cm. On se retrouve après pour faire la division ici de l'avant. Alors ici, j'ai fait au total 16 rangées, mais comme je vous ai dit, il faut se fier surtout, comme ça, vous pouvez le faire avec votre matériel, au nombre de centimètres. J'ai fait sur 14 cm. Une maille en l'air de plus et je vais couper une petite longueur pour pouvoir le cacher. Les quatre, ici on ne va pas les travailler, les quatre de l'autre côté non plus. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire la partie de devant et on va faire trois rangées, on va et vient, simplement. Et après on commencera à faire les diminutions. Pardon. Donc je me positionne ici dans cette bride et on va faire ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. On va faire les deux mailles en l'air. Et là, dans l'espace, on va refaire les deux brides, tout simplement. Espace devant des brides, on refait le groupe de deux. Donc ici, j'ai fait, comme je vous ai dit, jusqu'à ce que j'arrive ici à mon repère. Là, on va faire ce qu'on a déjà fait. On va tourner notre travail, faire les deux mailles en l'air et on va répéter les V dans les V. Moi, je vais faire sur trois rangées. Et je vous dirai après, dans la prochaine prise, sur combien de centimètres vous devez le faire. Donc je finis ici mon deuxième tour, je vais attaquer le troisième. On se retrouve après pour commencer à faire les diminutions. Alors ici, j'ai mes trois tours, et pour vous donner en centimètres, donc si vous avez un habit qui est pour un âge plus grand ou plus petit, vous prenez avec l'habit, comme ça vous pouvez savoir si ça a besoin de plus de tours ou pas. J'ai fait sur 3 cm. Donc vous faites sur 3 cm, trois rangées de cette façon-là. Maintenant, on va faire la division ici devant pour commencer à faire les diminutions. Les diminutions, on va les faire que ici au centre. Vous allez compter le nombre de V que vous avez. Moi, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 23. J'ai 23. On ne peut pas diviser 23 par 2. Donc, j'enlève 1, ça me fait 22. Ça veut dire que je vais laisser
22 divisé par 2, ça fait 11. Donc, je vais en laisser 11 de ce côté-là. 11 petits V, donc 2, 4, 6, 8, 10, 11 de ce côté-là. Je vais positionner ici mon repère dans le centre. Logiquement, ici, j'en ai également 11. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11 et 11, 22, plus celui-là, 23. Si vous avez, imaginons que vous avez un chiffre pair, il n'y a pas de souci. Donc, vous divisez votre chiffre pair par 2 et vous mettez un repère ici au centre, entre les V. Ici, un V d'un côté, un V de l'autre. Vous mettez un repère ici au centre. Là, c'est là où on va commencer à faire les diminutions. Moi, comme j'ai un chiffre impair, donc je laisse 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 d'un côté. Là, ce V-là, je ne vais pas le travailler. Il va me servir pour faire les diminutions également. Donc, ce n'est pas compliqué. Si vous avez un chiffre pair, c'est parfait. Vous divisez par 2, vous positionnez votre repère bien au centre. Et si vous avez un chiffre impair comme moi, vous dites le chiffre impair, vous le rendez pair en retirant 1. Vous divisez par 2 et comme ça, vous savez que vous avez une quantité d'un côté, une de l'autre et un V ici au centre qu'on ne va pas travailler. Comme je vous ai dit là, à partir de maintenant, on va commencer ici de ce côté-là. Ça ne va absolument rien changer. On va monter tout droit. Mais à chaque fois ici, on va avoir les diminutions. Alors là, on va commencer normalement. Donc là, j'ai été jusqu'à mon dernier V. Là, maintenant, on va tourner notre travail. Chaque fois qu'on sera de ce côté-là au centre, ici, on va faire une, deux, un jeté. On va ici, dans le premier V, on va simplement faire une bride. Et là, on va continuer V sur V jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre côté. Donc ici, je suis arrivée au bout, je vais travailler simplement mon dernier V. Comme on est du côté, on reste tout droit, on ne fait pas de diminution. Là, on va reprendre comme tout à l'heure. Donc on reprend ce côté-là normalement. Jusqu'à ce qu'on arrive à notre dernier V. Donc ici, j'ai fait le même procédé. J'ai ici mon dernier V. Un jeté. Là, on avait commencé avec la bride. Donc on rentre simplement dans l'espace, on fait tout simplement une bride. De 11, par exemple ici pour moi, V, j'en suis à 10 normalement. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. On tourne les deux mailles en l'air, le jeté. On va dans le prochain V où on va simplement faire une bride. Comme ça, quand on revient, ça ne compte plus comme un V puisqu'on n'a pas fait les deux brides. Et là, on va continuer les deux brides dans chaque V jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Donc ici, j'ai fait jusqu'à mon dernier V. On va de nouveau tourner notre travail et on va reprendre le même procédé. De ce côté-là, on ne fait pas de diminution, on ne les fait qu'au centre. Donc là, je ne fais que répéter ce qu'on a déjà fait. Donc ici, j'arrive à mon dernier V. Et là, on va terminer donc avec simplement une bride dans l'espace. Et à chaque fois qu'on vient dans ce sens-là, on a un groupe de moins. Donc là, je devrais en avoir 9, 2, 4, 6, 7, 8 et 9. Là, on va tourner. On va dans le premier V, où on va simplement faire une bride. Et là, on va faire V sur V jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Alors ici, j'étais jusqu'à l'autre côté, j'ai repris de la même façon qu'on a fait jusqu'à présent. Et si je vous montre à nouveau, on fait le dernier V. Et on va faire la bride ici. Comme ça, à chaque fois, on a un V de moins.
Là, on va tourner à nouveau. De ce côté-là, on va continuer les diminutions. Donc, une seule bride dans le premier V et ensuite on continue. Alors moi ici, j'ai continué comme je vous ai montré, jusqu'à avoir l'ouverture que personnellement je désirais. Ça veut dire que là, je suis arrivée au point où j'ai 1, 2, 3, 4, 5 V. J'ai fait le même nombre de centimètres que derrière et le même nombre de tours. Là, je me dis que 2, 4, 5, je vais fermer de cette façon-là, de ce côté. Et ici, je vais fermer également sur 5. Donc, ça laisse toute cette ouverture pour la tête de l'enfant, ce que je trouve assez... assez large, donc il sera pas serré. Mais si vous, par exemple, vous voulez vous arrêter au moment où vous avez 6 ou 7, en fonction de la taille que vous êtes en train de faire, si vous avez la chance d'avoir un habit devant vous, si vous voulez vous arrêter à 6 V, imaginons, après vous faites simplement que des va-et-vient sur 6 V. Vous ne faites pas de diminution, vous ne faites pas d'augmentation. Moi, 5 ici pour l'ouverture, je trouvais ça pas mal. Donc là, quand vous avez trouvé la bonne taille, on va faire une maille en l'air de plus et on va couper une bonne longueur qui va nous servir à coudre après. Alors maintenant, on a fait un côté ensemble et vous allez faire le deuxième. Exactement le même procédé. Ça veut dire que vous allez commencer déjà ici. On va commencer avec les deux mailles en l'air. Et là, on va faire un V dans chaque V jusqu'à ce qu'on arrive au repère. Quand on est au repère, on va répéter ce qu'on a fait de l'autre côté. Les diminutions. Donc ici, j'ai fait jusqu'au repère, comme on a fait pour l'autre côté. Puis là, on va simplement répéter. Ça veut dire que là, on va commencer les diminutions. Hop. Les deux mailles en l'air. Dans notre premier V, on fait simplement une bride. Comme ça, quand on revient, ce ne sera plus un V. Donc, on ne va pas le travailler. Puis là, on continue à répéter ce qu'on a déjà fait. Alors, je laisse terminer ce côté-là. De la même façon que vous avez fait l'autre côté. Comme vous avez vu, du moment où vous avez un habit, où vous avez des mesures, mais même pas forcément besoin d'avoir, pardon, j'arrive plus à parler, pas forcément besoin d'avoir un habit, ou simplement avoir les mesures nécessaires, vous pouvez vraiment l'adapter. Alors ici, moi, de ce côté-là, je vais répéter la même chose que de l'autre côté. On se retrouve après pour faire les coutures. Donc maintenant, il ne nous reste plus, c'est qu'à faire les coutures. J'ai déjà fait ici une sur le côté, on va faire la deuxième. Pour ça, on va mettre notre travail à l'envers. Là. Et ici, comme je vous ai dit, j'ai laissé 5 groupes. 5, donc ici. Moi, je vais le faire avec le crochet, vous pouvez le faire avec une aiguille. J'ai simplement, donc, là, il n'y a pas moyen de se tromper du fait qu'on a le même nombre de mailles de chaque côté. Je vais rentrer, donc, ici, dans une maille, prendre celle qui correspond en face et ramener aux mailles coulées.
Comme on est ici à la fin, je vais refaire une deuxième maille coulée. Une maille en l'air de plus. Il ne reste plus qu'à cacher notre fil. Donc dès que vous avez terminé, on remet le travail à l'endroit, puis ça nous donne vraiment quelque chose de super joli, qui est très simple à faire, qui va également très vite. Vous pouvez bien entendu, après ces questions de goût, mettre un petit nœud papillon, rose, bleu, enfin ce que vous désirez, pour donner une touche un petit peu plus personnelle. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt.